Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On part sur l'hippodrome de Chantilly ce mardi 15 octobre. Au programme, le prix du chêne du coup de foudre, un handicap pour poulain entier hongrais pouliche de 3 ans qui vont en découdre sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 € de bonus hippique et 50 € de freebet sport. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle, bien sûr, vous me retrouvez tous les jours au travers de mon super top 5. Pour info, je vous indiquais le super top 5 de samedi à Caen en 5 chevaux. Mais également, vous pouvez me suivre avec mes cotes et cotes pour la réunion principale tous les jours. Vous pouvez également, bien sûr, aller retrouver notre ami Flo Gautreau sur les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le numéro 5, The First Dance, ce sera pas le cheval de tout le monde. Le numéro 14, Tilila. Le numéro 8, Cliffs of Moher. Le numéro 6, Dazzling Jewel. Le 10, After Midnight. Et le numéro 7, Forever Green. Allez, on passe sur l'analyse. C'est parti avec ma pépite, le numéro 5, The First Dance, qui a débuté sa carrière victorieusement sur les 1800 mètres de Paris-Longchamp. Cette protégée de Fabrice Chappet a ensuite enchaîné par une deuxième place sur le parcours du jour. Alors, elle a ensuite déçu, mais compte maintenant deux parcours dans les jambes depuis sa rentrée et devrait donc logiquement accuser des progrès. De retour sur une surface qu'elle apprécie, un réveil de sa part est possible et pourquoi pas même la victoire. Mon coup de cœur, le 14, Tilila, pardon, est capable du meilleur comme du pire. Cette protégée d'André Favre compte toutefois déjà deux accessits à ce niveau, dont un sur le parcours du jour en mars dernier en valeur 35. Alors oui, elle effectue sa rentrée ce mardi, mais je trouve qu'elle mérite un certain crédit. Pour mon bruit d'écurie, ce sera le numéro 8, Cliffs of Moher. Plutôt régulier dans l'ensemble, il n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau, avec une place à la clé. Ce pensionnaire de Christophe Escuder excelle sur les pistes en sable fibré. Il est pris à son poids ce mardi. Un conseil, ne le sous-estimez pas. Pour mon repéré, ce sera une repérée, le numéro 6, Dazzling Jewel, qui a débuté sa carrière chez Charlie Appleby avant de rejoindre les box d'Henri-Alex Pantal au printemps. Elle y a tout de suite enchaîné deux succès à Langon et Strasbourg. Sa récente troisième place à ce niveau sur le gazon de Chantilly atteste sa forme actuelle. Évoluer sur la fibrée ne sera pas un souci pour elle. Je pense qu'elle a sa chance. Pour mon coup de poker, le numéro 10, After Midnight, qui n'a encore jamais failli en affichant à son palmarès un succès à Saint-Malo et trois deuxièmes places à Saint-Cloud, Lyon-Paris et Chantilly. Alors ce sera une première sur la fibrée pour cette élève de Francis-Henri Graffard, mais elle devrait s'y adapter sans souci. Elle est incontournable, même avec le 16 dans les stalles. Enfin, ma petite trouvaille, le numéro 7, Forever Given, qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts, avec pas moins de 5 accessits enregistrés en 6 tentatives. Cette fille, ce fils plutôt, de Caesar Star a prouvé son aptitude à la fibrer l'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer. Sa forme est sûre, plutôt bien engagée en valeur, il peut se révéler à ce niveau. Du côté de mes impasses, ce sera le numéro 4, Cérine, qui me semble un petit peu prise haut en valeur pour son premier gros handicap. Je vais également laisser de côté le numéro 12, Day Trader, qui me semble lui aussi pris trop haut en valeur face à une telle opposition. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Bonjour à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5 direction Saint-Galmier pour une étape du GNT.